Magicien, magicienne, bienvenue sur la chaîne du Gamer du Midi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente un petit deck fun, un petit deck sympa, en format historique artisan forgeron, un Dimir réanimation, toujours pas de rare, pas de rare mythique, que de la co et de l'unco. Et le principe de ce deck, c'est très simple, hein, comme un Dimir réanime classique, ça va être d'envoyer un maximum de créatures dans son propre cimetière pour ensuite pouvoir les réanimer, les ramener sur le terrain et leur faire proc un effet d'arrivée en jeu puissant ou en tout cas qui va faire une différence. Donc comment est-ce que est construit ce deck? Donc on a d'une part des cartes telles que le gardien, la gardienne pardon, des secrets, qui va vous permettre de vous meuler, de vous auto-meuler, et donc de mettre des cartes dans votre propre cimetière grâce à son rituel d'aventure, pardon. Derrière ça, on a également le vautour goulu qui, une créature 2-2, qui lorsqu'elle arrive en jeu, idem, vous auto-meule et vous envoie 4 cartes de votre deck dans votre cimetière. C'est exactement ce qu'on cherche à faire. Ensuite, on a dans le même genre la liche en grimoiré, enfin dans le même genre. Ça va vous permettre de vous débarrasser d'une carte que vous auriez dans la main et qui devrait être réanimée. Et non pas jouer avec son coup de mana. Exemple type, vous le verrez à la suite, les créatures de fin de curve qui coûtent très cher et donc qu'on a envie de voir au cimetière pour être réanimé et non pas dans sa main pour être payé. Sauf que si vous avez draw ça dès le départ, grâce à la liche, vous allez pouvoir vous en débarrasser, car la liche, quand elle arrive en jeu ou qu'elle fait des dégâts, elle va pouvoir vous permettre de piocher une carte et de vous en défausser d'une. Donc vous piochez une carte et vous jetez la carte à fort coût en mana qui permettra d'être réanimée par la suite. On retrouve un peu de gestion, homicide, parce que ça c'est pratique en jeu noir, on se débarrasse d'absolument tout. Chupacabra, une 2-2 pour 4 qui lorsqu'elle arrive en jeu détruit une créature adverse, donc ça c'est cool aussi. Et puis on a aussi un petit peu d'effacement des pensées pour embêter un petit peu notre adversaire en début de game, même un peu plus loin dans la game, hein, ça embête toujours l'adversaire. Et puis c'est là où on voit donc arriver le centre du deck, hein, c'est les cartes de réanimation. Donc il y a 6 cartes de réanimation au total, une du sang pour les os qui ne coûte que 4, qui vous permet d'aller réanimer une créature et d'en remettre une dans votre main, mais le petit inconvénient c'est que vous allez devoir sacrifier une créature pour lancer cette carte. Inconvénient oui et non, car on peut imaginer sacrifier un Chupacabra, l'envoyer au cimetière, ramener un géant ou une érudite sur le board pour faire proc son effet d'arrivée en jeu, et remettre le Chupacabra dans sa main pour le reposer ensuite avec son coup de mana assez faible, et finalement retuer une créature adversaire. Donc le sang pour les os, il est plutôt pas mal. On a également un don du chaudron, qui lui vous permet de ramener une créature également de votre cimetière, avec un +1/+1 si vous jouez l'inflexibilité. L'inflexibilité, je rappelle, il faut utiliser 3 manas de la couleur indiquée, en l'occurrence là c'est du noir, pour que l'inflexibilité fonctionne. Le lien de réanimation, ça ramène une créature pareille du cimetière et ça lui donne la célérité, donc vous allez pouvoir attaquer directement avec. Avec tout ça vient se mêler le Sire Conrad, qui à chaque fois qu'une créature va au cimetière, donc à chaque fois que vous allez vous auto-meuler, à chaque fois que vous allez envoyer une créature au cimetière depuis votre main, à chaque fois que vous allez utiliser le vautour, etc., etc., ou que vous allez faire des kills chez l'adversaire ou bloquer, à chaque fois qu'une créature arrive dans votre cimetière ou en sort, le Sire Conrad va infliger un point de dégâts à l'adversaire. De plus, avec son coup de 2 mana, vous allez pouvoir mettre une de vos propres cartes dans le cimetière, ainsi que celle de votre adversaire. Donc vous meulez votre adversaire, vous vous auto-meulez, et vous augmentez vos chances de pouvoir réanimer des choses qui seraient tombées dans votre cimetière. Et on arrive sur la fin de curve, donc aux deux créatures à fort coup de mana que l'on va vouloir forcément réinvoquer et non pas jouer avec leur coup de mana. L'érudite des âges, une 3-3 pour 7. Lorsqu'elle arrive en jeu, vous allez renvoyer 2 cartes d'éphémère ou de rituel depuis votre cimetière dans votre main. Donc autant vous dire que voilà, en général on s'en sert pour récupérer des cartes de réanimation, pour multiplier le phénomène de réanimation. Derrière ça,
la carte clé, celle qu'on a envie de jouer dans le deck, c'est le géant de l'Otlet. En gros, qu'est-ce qu'il fait? C'est une 6-5 pour 7 qui a le maquis. Donc en gros, le maquis, c'est quoi? Ça vous permet de regarder le nombre de cartes de créatures que vous avez dans votre cimetière. Et ça fait un effet d'arrivée en jeu en fonction du nombre de créatures que vous avez dans votre cimetière. Exemple, vous avez 5 créatures dans votre cimetière, vous invoquez le géant va infliger 5 dégâts directs à l'adversaire. Ça peut aller très vite au-dessus des 5, hein. Là j'ai pris 5 comme exemple, mais avec tout ce qu'on a dans le deck qui meule, qui nous auto-meule, eh bien on va vite arriver à 5 ou plus justement. Donc on va faire beaucoup de dégâts. Et c'est là où intervient cette carte, qui est la torsion temporelle, dont je ne vous ai pas parlé lorsqu'on est passé au-dessus. Mais en fait, cette carte-là va vous permettre d'exiler un permanent et de le faire revenir avec un marqueur +1/+1, mais ça, limite, c'est anecdotique, parce que ce qu'on veut, c'est refaire proc son effet d'arrivée en jeu, en l'occurrence, le géant. Vous lui envoyez ça une fois qu'il est arrivé en jeu. Derrière, du coup, vous allez réinfliger le nombre de blessures qui correspond au nombre de créatures que vous avez dans votre cimetière. Si vous avez, mettons, 10 créatures dans votre cimetière, ce qui peut arriver, hein, c'est très facile, avec tout ce qui vous meule, ça peut très vite arriver. Vous avez 10 créatures au cimetière, posez le géant, bing, vous pingez l'adversaire de 10, torsion de Teferi pour 2, re-10, voilà, game gagné en un tour. Alors évidemment, il faut arriver jusque ça, il faut arriver à temporiser la game suffisamment avec les choupes, avec le cire, avec les effacements pour enlever les cartes clés de chez l'adversaire, les homicides, vous avez quand même une Lichon Grimoirée avec le contact mortel. Avec tout ça, vous devriez pouvoir gérer à peu près le board adverse et tenir le choc jusqu'à temps de toucher vos cartes de réanime, votre géant, et surtout d'avoir suffisamment de cartes dans votre cimetière. Parce que réanimer un géant, entre guillemets, en début de game ou assez tôt dans la game, c'est finalement pas super intéressant. Il faut attendre un petit peu quand même que le nombre de créatures augmente dans le cimetière pour pouvoir faire plus de dégâts. Voilà, bah, je vous laisse tout de suite découvrir la game que j'ai jouée contre Mosolux, me semble-t-il, et puis je vous retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti pour cette game. Donc, un Dimir réanimation. Qu'est-ce qu'on a? On a les deux cartes qu'on aimerait plutôt avoir au cimetière dans la main. Je suis pas sûr que ce soit terrible. Ça c'est bien. Est-ce qu'on va pouvoir s'en débarrasser de ses mains? Il va nous falloir la Lichon Grimoirée. Je pense qu'il vaudrait mieux mulligan cette main en réalité. C'est dommage parce que sinon ça c'était une bonne main. Mais est-ce qu'on va réussir à se débarrasser de ça? C'est pas sûr. Je vais mulligan la main. Okay, je vais garder 6 cartes. On va se débarrasser d'un land. Ouais, je vais me débarrasser d'un land, on va jouer comme ça. Faire un effacement dans un premier temps, on a l'homicide pour gérer le début de game. Et puis on a Chupa qui pourrait faire le taf aussi. Alors, on joue contre un blanc bleu. Joué par Mosolux. Une aumônière du point du jour, ok. Allez, fais-moi voir ta petite mine. Alors, je pense que ça va dégager tout de suite. Parce que ça, c'est vraiment embêtant. Ça fait qu'à chaque fois qu'il attaque... ouais, on va virer ça. Et on va garder un vautour, nous, en termes de top deck sur la surveillance. Ok, ça m'arrange pas forcément. J'aurais préféré avoir ma carte directe dans la main, mais c'est pas grave. Parce que là, du coup, il nous a quand même balancé un Conrad. Ouh. Ça, c'est pareil, c'est pas la pioche qu'on aime avoir. Est-ce que j'ai pas envie d'homicide ça?
De toute façon, je peux pas l'homicide pour l'instant. J'ai posé un land bleu. Autant pour moi. Non, non, on va plutôt le chupacabré. Ok. Ça, c'est bon pour moi. C'est dommage, c'est que le don du chaudron part à la poubelle. Jouer le Chupa direct. Hop, on va se débarrasser du lifelink. Ça lui évitera de gagner trop de points de vie en début de game. Ok, la jument. Je vais peut-être plutôt faire ça pour pouvoir bloquer proprement. Quoique en même temps, il n'y a pas grand-chose à bloquer. Et avec le Chupa, je vais tuer ça. Hop, et le Chupacabra qui revient avec +1/+1 grâce à la torsion temporelle. Deuxième jument. Deuxième aumônière. Ok, donc là on va pouvoir... on va aller chercher... J'hésite entre ça et le Conrad. J'ai que 4 en maquis. Je pense que je vais aller chercher un Conrad. Toujours la possibilité d'avoir un homicide pour se débarrasser de quelque chose qui serait trop gênant. Là, a priori, sur son board, j'ai pas grande frayeur. On va plutôt s'amuser avec ça, non? Ça, c'est drôle. Je vais rester homicide up pour tuer quoi, je ne sais pas, si le truc qui fait gagner des points de vie éventuellement, quoi qu'il va bloquer avec j'imagine. Ouais, je vais tuer ça. Ah non, j'aurais dû le faire avant. Je vais voir ce qu'il veut faire avec sa jument en fait. C'est bien ce que je pensais. Conrad qui fait le taf, hein, mine de rien, à chaque fois qu'il y a une créature qui s'en va au cimetière, là ça va être moins drôle.
par contre. Parce que là, il va attaquer très fort. Très très fort. C'est pas grave, il aura qu'une attaque, donc je vais bloquer ça comme ça. À chaque fois que le Conrad envoie quelqu'un au cimetière, finalement, il se fait des points de dégâts et il va faire augmenter le géant. Enfin, la frappe du géant qui, lors de son arrivée, fait autant de dégâts que le nombre de créatures que vous avez dans votre cimetière. Forcément, là-dessus, il est capable de prendre quand même pas mal de dégâts. Il va prendre un gros 10, d'ailleurs, dans la tête. Et si derrière, je repioche une torsion de Teferi, ce qui est fort probable vu que j'en ai qu'une au cimetière et qu'il me reste que 26 cartes. Ouais, il y a quand même un bon pourcentage de chances que je drop Teferi. Et donc là, je lui remets 10 points et c'est GG. Ça serait le beau top deck là d'ailleurs, si je pouvais top deck ça, ça serait cool. Bon, je sais pas pourquoi, ouais voilà. Ok, ben on va faire ça et je pense que c'est gagné. Hop. Je vais même pas attaquer, ce n'est pas nécessaire. Excellent. Hop, torsion de Teferi. Le top deck qui va bien sûr le géant. Et là, on peut s'amuser un tout petit peu. On va envoyer le Choup au cimetière. On va renvoyer qui sur le terrain d'ailleurs. On va renvoyer son copain à lui. Hop, et on avait l'autre derrière qui faisait la torsion, qui refaisait 10. Donc ça aurait pu... ça aurait très bien marché. Quand ça commence à partir, c'est plutôt sympa. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez pu voir un petit peu comment ce deck fonctionne et ce que ce géant est capable de faire et ce que la réanimation de cadavres venus du cimetière est capable de vous faire avec un Dimir plutôt rigolo. En tout cas, moi, c'est une mécanique que j'apprécie bien. J'aime bien jouer ça. Alors après, évidemment, c'est sûrement pas un deck tier 1 qui va gagner des choses, mais en tout cas, on peut bien s'amuser avec et c'est aussi le but de Magic, se faire plaisir. Donc si la vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser un pouce bleu et des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, nous, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Et puis, sûrement, en fin de semaine, vendredi, pour un stream. Allez, salut !